ils veulent pas de nous dans leur monde. Et puis, Youssef. À l'abri dans une démarche de guerre, notre rap s'inscrit. Plus connu par son nom d'artiste Youkoff. On vit dans le noir, dans l'instabilité. Ce qui me pousse à vivre dans l'obscurité. Accusé de prosélytisme musulman. Au mas sincère, tu voulais savoir ce que l'immigration engendre pour nos pères. 50 piges, c'est l'ulcère. Le RG écoute toutes mes conversations, j'en ai des frissons. Clichés, stéréotypes et amalgames, ça vous rassure. Fuck, fuck de caricature. Va dire à Guerlain que je ne retourne pas dans mon bananier. J'taffe dur, mais est-ce qu'un nègre a véritablement travaillé? Moi, ce qui me dérange encore et qui me choque encore en 2012, c'est qu'on assiste vraiment à une banalisation de la parole et de l'acte raciste et xénophobe à travers les médias. Pour ne citer que Brice Hortefeux, Zemmour, Morano, Guerlain, des phrases sont dites. Même s'il y a des excuses après, mais voilà, le mal est fait et c'est vraiment banalisé. On rentre à un moment donné dans une période de présidentielle et il faut toujours trouver ce fameux bouc émissaire. Et malheureusement, en France, le bouc émissaire, il est très vite trouvé, c'est souvent l'étranger, quoi. Selon vous, pour l'immigré, la femme sur l'homme n'est pas égale. Mais c'est en France que tous les trois jours, une femme meurt de violence conjugale. Qui je suis? Cette question, j'en ai la mémoire dans la peau. Mon identité m'écarte malgré moi de ce drapeau. Les médias, pour moi, ont leur part de responsabilité en axant leur ligne éditoriale sur le sensationnel, sur le spectacle. Et forcément, ça passe par la peur. Et la peur, malheureusement, c'est souvent la banlieue. C'est souvent les Français issus de l'immigration. Et on assiste à des reportages très clichés, très connotés, avec des raccourcis qui sont mémorables. Et forcément, c'est, ce climat-là amène à ce que des populations finissent dos à dos et c'est vraiment l'absence de connaissance de l'autre qui règne. Et je suis un peu sceptique ou pessimiste, mais j'ai la sensation que les fossés se creusent et que les gens ne se parlent pas ou peu. La France leur dédie une phrase comme un emblème. Quand il y en a un, ça va, c'est quand ils sont nombreux qu'il y a problème. Actuellement, en France, il y a une chasse aux sorcières de tous les leaders d'opinion qui vivent ou pas dans les quartiers populaires, mais plus principalement dans les quartiers populaires, parce que brûler des voitures, ça donne raison à un moment donné à toutes les thèses racistes et xénophobes. Après, on fait des raccourcis sur l'identité nationale, sur les Français issus de l'immigration, sur la double nationalité. Mais dans les quartiers populaires, il y a de plus en plus de personnes qui pensent, qui réfléchissent, qui utilisent les mêmes armes que les institutions, c'est-à-dire les armes de droit et de justice. Et je pense que ça dérange. Et forcément, le fait que ça dérange, on tente de les déstabiliser par des biais qui sont très occultes. C'est la raison pour laquelle on va sortir l'album L'oubli pour mémoire. La boucle est bouclée, mais je ne ferme pas l'armoire. On n'oublie rien, on en perd juste la mémoire. Après, le silence écrit L'oubli pour mémoire afin que de l'ombre jaillisse la lumière.